أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره، كالقلم مثلا في يد الكاتب. Quiconque est intermédiaire, donc les êtres, juste je vais revenir dans la page précédente, les êtres vivants doués d'une faculté de libre arbitre sont contraints à ce libre arbitre lui-même, car c'est Dieu qui suscite les mobiles, les poussant à agir. Qu'ils le veuillent ou non. Ils sont à l'image du trésorier qui n'a d'autre choix que de se plier aux exigences du roi. Donc tu fais le bien, mais le mobile qui te pousse à faire le bien. Quelle est son origine? C'est ça la question. Donc le Razel il te pose la question, l'étincelle de l'idée, l'origine de l'idée, de faire le bien ou l'origine de faire le mal. On a dit c'est un ange ou c'est un démon. Mais bien sûr l'ange n'agit pas tout seul, il reçoit un ordre. Le diable, il ne peut pas agir tout seul, il y a toujours la permission de Dieu. Donc si quelqu'un te fait de bien, c'est en réalité c'est grâce à Allah. C'est ça l'idée de mobile. Est-ce que c'est le mobile? وأن الحيوانات التي لها اختيار في نفس اختيارها فإن الله تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت أم أبت، كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلا إلى مخالفة الملك، ولو خلا ونفسه لما أعطاك ذرة مما في يده. Donc, juste c'est en arabe, sans ce mobile, la personne, s'il reste tout seul, il te donnera peut-être rien. Donc c'est Allah qui l'a poussé à agir de cette manière de bienfaisance. Ils sont à l'image du trésorier qui n'a d'autre choix que de se plier aux exigences du roi. Donc il a comparé ici les mobiles qui nous obligent à faire le bien comme les ordres d'un roi à un ministre ou un trésorier de donner à un individu telle somme ou d'accord, c'est presque la même chose. Tu vois l'image? Et qui sait s'il est complètement libre de son action ne céderait rien de ce qu'il détient. Le trésorier, sans l'ordre du chef, il ne donnera rien. Il n'a pas le droit de donner. La même chose aussi. Les gens qui te font de bien, c'est par l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Donc le vrai grand pourvoyeur sera Allah Azza wa Jalla. Et nous ne sommes que des intermédiaires. Quiconque est intermédiaire d'un bienfait de très haut est ainsi contraint d'en faire largesse. Je reçois l'ordre de donner, je donne. فإن الله تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت أم أبت، كالخازن المضطر
الذي لا يجد سبيلا الى مخالفه الملك ولو خلا ونفسه لما اعطاك ذره مما يديه في يديه. فكل من ما من وصل اليك نعمه من الله تعالى على يده فهو مضطر اذ سلط الله عليه الاراده وهيج عليه الدواعي. Parce que c'est Dieu qui le soumet à la volonté d'agir en ce sens et qui crée en lui la motivation. Donc ça, c'est une question très délicate, hein. Subhanallah. Regarde, j'ai un ami, il m'a parlé d'un collègue de travail à lui. Il a écrit un livre sur la motivation. Il a essayé d'expliquer ça. Comment la motivation? Comment faire la motivation? D'offrir des cadeaux, ça augmente la motivation. Une fois, deux fois, trois fois, après un mois, les cadeaux n'auront aucun effet. Pas de motivation. On en fait comment? On chante. Alors, c'est une question très, très, très délicate. Et même ici, il a dit, la motivation vient d'Allah. C'est Allah qui suscite en nous la motivation. Il y a la question derrière aussi qui vient toujours. Il y a la question aussi, là, si c'est vraiment ça vient tout de là. Nous, on n'est rien, c'est un peu ça. Oui, on n'est rien. Il y a une autre question aussi qui arrive là-bas, on est, c'est comme on a dit les marionnettes. Oui. Et puis après, il y aura d'autres questions qui viennent aussi, pourquoi on est là. Si Allah fait ce qu'il veut, il y a une sagesse. Maintenant, la bonne question, c'est le mal contre. Ça va? Je m'excuse, j'ai un message, après j'ai annulé, j'ai après. Parce que j'ai pas fait attention, j'ai une formation la semaine prochaine. Ah oui, d'accord, vous pensez que c'était aujourd'hui? Oui. Mais ça va, alors c'est que ça. C'est, non, c'est un frère qui m'a dit. Peut-être ça l'enterrement. Alhamdoulilah. Alors, après, la bonne question à poser, Lola, c'est pourquoi? Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi j'arrive pas à obtenir ça? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi cet accident? Pourquoi ce bienfait de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Mais poser la question pourquoi je suis destiné, je sais pas déjà si je suis parmi les gens de l'enfer ou du paradis. Ça, c'est une question inutile. La bonne question, et c'est ça, les gens ne posent pas les bonnes questions, pourquoi je suis là, maintenant? Quelle est la sagesse? Pour apprendre, c'est bien une parmi des milliards de raisons. Milliards de raisons. Salam alaikum. C'est une réponse parmi une infinité de raisons et de sagesse. Est-ce que c'est clair? C'est juste ça. Mais c'est une bonne question. Je mange. Pourquoi? Pour avoir une bonne santé. Vous êtes d'accord? Une parmi une infinité de sagesse, de miséricorde, de raisons. Je mangeais juste, c'est pour ça Allah l'a dit, qu'il médite sa nourriture. Lorsque tu manges, tu aides un pauvre. Par exemple, je donne en Chili, avec 5 centimes peut-être, il va recevoir à la fin 5 centimes, grâce à cette bouchée. Par exemple, je donne une parmi un milliard de raisons. D'accord? Donc, la sagesse d'Allah Azza wa Jalla est immense. Et il ne faut pas juste chercher la sagesse d'Allah Azza wa Jalla lorsque je suis éprouvé. Dans ce souffle, il y a des milliards de raisons, des milliards de sagesse derrière, lorsque je respire. Ça, chaque respiration, chaque souffle est un nœud dans le tapis de destin de l'univers. Je veux faire un petit arrêt. Regardez sourate Dhariyat, parce que ça, c'est une question très importante. Comme ça, je peux arriver à comprendre
l'insignifiance de la raison face au destin. Et ça, c'est très important. Dans Sourate Al-Dhariyat, Allah dit le ciel وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكُ. Je vais chercher la page. Parce que quand on parle de destin, c'est le destin pour nous, c'est horrible. Toujours le destin, c'est le mal. Dans notre... Oh non, c'est pas vrai. Le destin, c'est 100% un bien. Alors, regardez, prenez une photo de cette page. Voilà, c'est très bien. Honorable, là, comme ça. Et en français. Oui. Alors, Lola, je vais juste faire une modification avec le... Oui. Sur le WhatsApp. Sur WhatsApp, oui. Juste souligner. Ah, on envoie d'abord. Ah, pas encore. Avant d'envoyer, je vais souligner un passage. La photo, elle est où? La photo que tu as prise. Celle-là. En arabe ou en... En français. Alors. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Regardez sur WhatsApp ce que j'ai envoyé. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça c'est en français. Voilà. Après, galerie. Alors, en arabe. Je vois pas. Ici. Ah oui. Alors, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ سُورَةُ الذَّارِيَاتِ. On peut imaginer le ciel réel. Le ciel physique. Mais je pense qu'on peut aussi imaginer un autre ciel. C'est quoi le ciel? Le ciel ici, on peut le trouver juste dans après quelques versets. Donc il y a deux ciels. Il y a le ciel physique et il y a le ciel destin. As-samaa' al-qadr wa as-samaa' Zarqa, Latinara. Alors, en arabe, je vais faire la même chose. Inès, est-ce que c'est clair ici? Oui.
j'ai envoyé en arabe et en français, et ça c'est très important. Alors, les images sont très belles. Nous avons le ciel. Est-ce que le ciel est beau? Sama jamila ou la? Sah ou la? Al-Qadr jamil amla? Vous avez hésité. Chauffe tout kevesh? Ah oui, 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 vous avez hésité. Vous n'avez pas répondu directement. Le Qadr? Sah ou la? هل هناك من فروج في ال في في السماء؟ هل هناك يعني عيوب؟ Est-ce qu'il y a des failles dans le ciel? Est-ce qu'il y a des défauts? Une belle construction, n'est-ce pas? ربي تحدث عن بناء في السماء وتحدث في سورة الذاريات عن الحبك. ما معنى الحبك؟ Ça veut dire quoi الحبك? Alors en français c'est marqué والسماء إذا تحوك par le ciel aux voies parfaitement tracées. Ça, c'est une traduction, c'est une interprétation. Dès le hubuk en arabe, Haj, ma soeur, Najo, je ne m'en ai pas, Mahbouka, ou Hibka. Hein? Masbouka, je m'en ai pas, Masbouka. Bien tissé, bien filé. C'est comme un tapis perse avec des nœuds, mais un milliard de nœuds. Donc il y a vraiment une perfection totale. Il n'y a pas de vide. Ça, voilà. Mais il n'y a pas de vide. Ça, on a un tapis, tout un coup. Imagine un tapis avec des trous. Ça, c'est, je ne sais pas. Tu vas l'acheter. Hein? Alors, la même chose. Le ciel, le destin, il est bien tissé. C'est pour ça que j'ai dit, derrière chaque souffle, il y a des océans de beauté. Quand je dis... sagesse, miséricorde, beauté, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair ici? Il dira que ton scénario de vie est le meilleur scénario. Exister et survivre. Toute, chaque seconde est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Rempli par un mal, le mot mal et le mot bien, c'est juste une conception. C'est notre conception. C'est nous qui disons c'est un mal et de bien. Il n'y a que le bien. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est au niveau individuel, au niveau aussi collectif. Dans ce verset, il n'y a aucun lien entre le ciel physique, le ciel naturel, et le contexte ici. On ne parle pas de ça. Tout le monde parle de Qadr, tout le monde parle de l'azab de Rabbi Kalawaq, tout le monde parle de la ciel. Et surtout, l'aïe qui parle de la rizq. Le rizq, c'est lié au destin. Est-ce que c'est pas le ciel peut être le tableau la table gardée. Gardée. Mais bien sûr, c'est ça. C'était très joli ce que dit le Hajj. Le ciel, c'est aussi, bien sûr, c'est la table gardée. Si tu peux aller plus loin, tu vas contempler la table gardée. La table gardée, c'est quoi? C'est le destin. C'est le kalam, al kalam, wal kalam wa ma yasturu. Fal kalam jamil wa ma yakmu maktoub jamil. Ton destin est beau, je répète ça trois fois. Tu dis Alhamdulillah pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, toujours. Pour toute action, j'ai dit pour chaque souffle, pas l'action. Chaque respiration est un bien d'Allah Azza wa Jalla. Je ne parle pas de l'oxygène, hein, je parle pas, mais de la vie elle-même. Est-ce que c'est clair? On a parlé que nous sommes gérés par ce destin. Comme la respiration, tu ne peux pas l'arrêter. Et même si tu l'arrêtes, c'est par l'ordre d'Allah. D'accord? Alors, tu vas me dire, mais chir, mais j'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que tu arrives à comprendre le ciel, toi? Le ciel. Tu peux le... Si, tout,
tout ce que je peux vous dire sur le ciel, elle est bleue. Et même ça, c'est pas vrai. C'est une illusion de vision. N'est pas bleu le ciel. Donc le destin aussi. Hein? Par exemple, je vois une personne. Je dis, cette personne est mauvaise. C'est une ignorance. C'est une perception. C'est une illusion. C'est pas vrai. Vous voyez? La réalité, tout ce que tu vois est beau. Khatala, t'es pas d'accord. Non, non, je... Bien, c'est juste, tu vois, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Qala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Donc le verset 22, et il y a dans le ciel votre subsistance. 22. Quelle subsistance? C'est le qadar. C'est le qadar. Le destin de chacun de nous. Le rizq. Il ne faut pas penser. Le souffle, c'est un rizq. C'est vrai ou pas? Le cours, c'est un rizq. Le mariage, c'est un rizq. Le divorce, c'est un rizq. Et des fois, le divorce est meilleur que des fois, est mieux que le mariage. Le célibat, des fois, vivre célibataire, oh, c'est ton destin. La maladie. Des fois, au niveau des bienfaits, elle dépasse un hajj. Wallah. Donc, il faut accepter que le destin est très haut. Et la sagesse d'Allah Azzajal est très haute. Hein? Et très suprême, c'est sublime, subtil aussi. Il faut accepter. Hein? Il faut voyager, c'est vrai, à travers l'invocation. Ah, ça, c'est notre fusée pour découvrir le Salam alaikum. Et nous sommes insignifiants. Ah, ça, c'est le ciel. Hein. Je n'ai pas parlé des astres. Je n'ai pas parlé du soleil. Je n'ai pas parlé des galaxies. Je n'ai pas parlé des sept cieux. Ça, c'est le ciel le plus proche. C'est ma dunya. Hein? C'est ma dunya, ça. Elle parle ici de... Alors, je ne parle pas de Dieu. Bien sûr, comme c'est le meilleur bienfait d'Allah Azzajal, c'est Allah lui-même. C'est lui la source de bonté. Allah, huwa al-jamal kullu, aynu al-jamal. Fa'andak rabb wa lalai, alhamdulillah. Tu as un Seigneur qui s'appelle Allah Azzajal, tu crois à ça. Yes, il fait barak, alhamdulillah. Ça, c'est le meilleur bienfait. Après, maladie, divorce, mariage, ça, c'est un détail. Ça, c'est sur terre, ça. Ça, c'est le scénario terrestre. Ouf. ما تحدثش عليها اصلا يا ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون oui. Alors la terre c'est juste le villa hein. Le ciel c'est le plan et sur terre c'est terre c'est le reflet la projection l'exécution donc ça c'est rien hein. Si quelqu'un m'a insulté en réalité il a exécuté ce qu'il y a de ce qui est marqué dans le ciel. C'est tout. Si tu te révoltes contre quelqu'un, comme si tu te révoltes contre le ciel. Est-ce que tu vas changer quelque chose? Est-ce que tu peux effacer? C'est bon, c'est déjà fait. Je sais pas. J'ai pas réussi un examen. C'est marqué. Tu te révoltes, tu acceptes, c'est ton affaire. Mais c'est déjà marqué. Tu ne peux pas changer. Il faut monter. Il montait comme la table gardée. C'est marqué dans la table, pas dans ce ciel. Le ciel dans la langue arabe, c'est tout ce qui est plus haut que toi. Sama, c'est pas le ciel. C'est juste, on dit comme ça le ciel. Mais en réalité, dans la langue arabe, sama, vous voyez ma main, ça c'est le ciel pour moi. Toute chose. Le plafond, c'est le ciel. Tout ce qui est en haut, plus haut que toi. Hein, tout ce qui est plafond, c'est le ciel. Donc, on peut aller plus loin. À la fin, c'est Allah, on va trouver Allah Azza wa Jalla. Donc, toute subsistance provient d'Allah Azza wa Jalla. Et il faut accepter. Nous sommes insignifiants devant Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair ici? C'est pour ça qu'il faut dire toujours Alhamdulillah.
même si je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que... On ne peut pas réussir à changer des fois le destin. Quand j'avais vu que par les invocations, on pouvait changer des fois ce qui était Oui, écrit comme ça. parce Et que c'est. que c'est grâce aux invocations, ma soeur, tu reçois ta subsistance. S'il y a une subsistance qui descend sur cette terre, c'est grâce aux invocations des invocateurs. Les canaux de la subsistance, c'est les prières, les invocations, les pieux, les saints, les prophètes, les savants. C'est qu'à travers eux, la subsistance descend. Quand tu dis Astaghfirullah, tu attires ta subsistance. Tu attires plus. Si tu pries sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah paye tes dettes. Donc, le dhikr, et lorsque il n'y aura plus d'invocateurs et d'invocatrices sur cette terre, c'est la fin du monde. عندما لا يكون لا يبقى أحد يقول الله 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 c'est marqué dans le hadith dans Sahih Muslim. Il y aura la fin du monde. Donc, la cause de la subsistance sur cette terre, c'est les invocations les invocateurs. C'est pour ça, c'est le code de la subsistance, c'est le dhikr. Le code de la subsistance, c'est le dhikr. Vous dites, tu pries ici, et peut-être grâce à cette prière, Allah fait tomber de l'eau en Chili, en Australie. Allahu a'lam. Mais c'est le dhikr qui attire la subsistance d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Ça c'est. Et grâce, bien sûr, au dhikr, tu peux. Allah peut changer. C'est lui qui gère le destin. On a dit que la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, repousse les disciples la tristesse. Et la tristesse, c'est une subsistance. Le bonheur aussi, c'est une subsistance qui est au ciel. Et si je peux, si j'imagine une autre chose, Allah prie sur Sayyidina Muhammad. Quel est l'effet de cette prière sur l'univers? Allah, on ne sait pas exactement. Alors, pour le changement, c'est Allah qui change, bien sûr. Nous invoquons Allah Azzawajal et Allah, c'est lui qui gère notre destin. Pourquoi on demande Allahumma la nas'aluka radd al-qada wa kana sa'al kullu tawfiq? Pourquoi on ne demande pas radd al-qada sans demander l'autre? C'était qu'une politesse. La politesse. Par politesse. Par politesse. Donc il a dit pourquoi je ne demande pas la guérison, mais je demande par exemple qu'Allah allège mes souffrances. C'est par politesse, mais tu peux demander la guérison, bien sûr. C'est question de respect. Pour dire j'accepte ce malheur. J'accepte ce malheur. Mais je pense que la personne qui demande d'Allah d'alléger sa souffrance, Allah lui donnera la guérison. Allah est généreux. Si tu demandes 100 francs, il va te donner un million. D'accord? C'est comme ça, les riches. Hein? Il ne va pas te donner 100 francs avec une facture, un reçu. Non, c'est pas, les généreux ne font pas comme ça. Alors, c'est très très important. Si tu remercies, si tu loues, si tu es gras, reconnaissant, Allah augmentera ses faveurs. Et là, on cherche vraiment, à travers ce cours, une gratitude sincère, basée sur une conception réfléchie et basée sur une conviction. Est-ce qu'on peut comparer celui qui n'accepte pas le destin de Dieu, c'est comme il a refusé l'ordre de Dieu, comme Shaitan il a refusé aussi, parce qu'on lui a donné de.
Oui, c'est dur de dire comme ça. Parce que mon frère, moi, des fois, je me révolte contre le destin. Intérieurement, bien sûr, je ne le dis pas à haute voix. Mais des fois, je n'accepte pas. Ce n'est pas parce que je suis démon, je suis iblis, parce que je suis faible. C'est dur. Pourquoi j'accepte pas les bêtises des autres, les fautes des autres. Pourquoi il a fait ça? Il sait très bien qu'il ne doit pas faire. On lui dit, hein? C'est vrai ou pas? Mais c'est pas parce que je refuse l'ordre de Dieu, mais parce que je suis faible. J'arrive pas à supporter. La personne qui se révolte contre le destin, là, c'est de la pure ignorance. Ça, c'est clair. De toute façon, ils ne changent rien. Rien changé. C'est inutile en plus. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ça me fait penser à l'histoire de Moïse et le Fatèche où il est impatient d'avoir les réponses. Oui. C'est plutôt une impatience partout, voilà, mais. c'est plutôt ça, plutôt ça. plutôt, j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit Lola, la bonne question, la belle question, pourquoi? Je veux comprendre pourquoi. Ça, c'est l'humilité. Je suis incapable de comprendre la raison pour laquelle j'ai reçu cette subsistance ou j'ai pas reçu une autre subsistance. Voilà, c'est juste ça. Et là, je suis là parce que je comprends pas, mais parce que je veux apprendre. Et la dounia, c'est une classe où on doit toujours poser des questions et apprendre. Ça, c'est aussi une partie de l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, c'est essayer de comprendre. Et la compréhension, c'est le meilleur bienfait, la meilleure subsistance qu'on trouve au ciel. La terre, c'est des pions, c'est des marionnettes. L'ordre descend du ciel et la marionnette bouge. Voilà. Tout ce que vous voyez, ça, c'est juste une mise en scène. Il y a des cordes invisibles et il y a des doigts en haut qui font bouger ces marionnettes. Donc, il ne faut pas se révolter contre une marionnette. Imagine, moi, je commence à insulter ce stylo. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est de l'ignorance. C'est pour ça qu'il ne faut pas se révolter. Et il ne faut pas aussi louer le stylo parce que il m'a marqué sur une feuille 1000 francs pour Abdelwahed. C'est pas, il a reçu l'ordre, ce stylo. Ou bien c'est les doigts qui ont marqué 1000 francs pour moi. Hein? Mais je peux le remercier en tant qu'intermédiaire, d'accord. Oui. Mais l'action n'appartient pas à ce stylo. D'accord. Comme le malheur aussi ne lui appartient pas. Elle est juste là. Hein? Commander, passe un pont, un intermédiaire. كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلا الى مخالفه الملك ولو خلا ونفسه لما اعطى فكل من وصل اليك نعمه من الله على يده او وصل اليك نعمه من الله على يده فهو مضطر اذ سلط الله عليه الاراده وهيج عليه الدواعي والقى في نفسه ان خيره في الدنيا والاخره ان يعطيك ما اعطاك. Donc, parce que c'est Dieu qui le soumet à la volonté d'agir en ce sens et qui crée en lui la motivation. On parle de la motivation. On pose beaucoup de questions. Je n'ai pas la motivation. Hein? Les enfants parlent, j'ai la flemme. En réalité, la motivation, c'est une subsistance aussi. La cause, elle est au ciel. Il faut demander à Allah Azzawajal. Hein? C'est lui qui suscite en son âme l'idée que son intérêt dans ce monde et dans l'autre est de t'accorder ce qu'il t'accorde. Issa lui-même, il a bouleversé la question du destin à travers une idée très simple qui peut t'aider à comprendre le destin. C'est quoi?
je veux donner à Al-Hajj Nasser ce stylo. L'idée de donner à Al-Hajj Nasser ce stylo vient de l'origine de cette idée. C'est quoi? C'est Allah. C'est simple. Donc le destin, mon destin, appartient à Allah Azza wa Jalla. J'ai reçu une idée à travers un ange, à travers je ne sais pas qui. Le bien, hein, mon intérêt est de donner ce stylo à Hajj Nasser. Je ne sais pas, ce n'est pas parce que je suis intelligent. D'accord, je suis intelligent, et cette intelligence vient d'où? Elle vient d'Allah. J'ai fait une bêtise, j'ai refusé de donner ce stylo à Hajj Nasser. Cette idée aussi, c'est par la permission de Dieu. C'est Dieu, grâce, par je ne sais pas qui, m'a empêché de donner à Hajj Nasser. Et il y a un bien aussi. Dans les deux cas, si je donne ou je ne donne pas, il y a une raison, il y a une sagesse. Cette sagesse, des fois elle est apparente, des fois elle est cachée. De toute façon, tu vas voir juste une sagesse parmi des milliards, comme j'ai dit, de sagesse. La sagesse d'Allah est un océan sans fond et sans rivage. Bahru la sahila lahu wa al-bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. Donc ça c'est comme ça. Alors Dieu m'a envoyé, m'a suscité en moi le mobile de donner ou de ne pas donner. Donc il a suscité en moi l'intérêt. J'ai compris que mon intérêt dans ce bas monde et dans l'autre est de t'accorder ou de ne pas t'accorder. C'est bien fait. وأن غرضه المقصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به. Et que l'objectif auquel il tend dans l'immédiat et dans le futur ne saurait être atteint qu'ainsi. Donc, j'ai compris. Cette compréhension, elle vient d'où? On pose du jeu. J'ai compris que voilà, le mieux c'est d'aller à Genève. Qui m'a donné cette compréhension? D'où l'origine de cette compréhension, de cette idée, de cet intérêt, c'est quoi? C'est pas parce que tu ne vois pas cette origine qu'elle n'existe pas. Toujours il y a une cause dans la loi naturelle des choses, une cause et effet. Vous êtes d'accord? La même chose aussi. وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيلا إلى تركه. Une fois que Dieu a créé en l'individu cette conviction, celui-ci n'a aucun moyen de s'en départir. Donc l'idée, c'est une créature. Alors, je vous pose la question autrement. Maintenant, il y a combien d'enfants qui sont nés maintenant au CHU? Ils ont 10 maintenant, dans cette seconde, il y a 10. Hein? C'est une création de... C'est grâce à qui sont nés? Allah. Là, c'est clair. Et l'idée, c'est une création, c'est une créature ou bien Dieu? L'idée, est-ce que c'est une créature ou c'est une divinité? L'idée, c'est un objet, une créature ou bien c'est une divinité? C'est une créature. Donc elle a un créateur, comme l'enfant. Donc c'est Allah qui a créé l'enfant et celui qui a créé l'idée. Comment on fait la différence entre les idées négatives et positives? Négatives, le shaitani ou le khawatir rabbani?
Comment donc, on peut savoir est-ce que ça, ça vient de Dieu ou bien ça vient de Shaitan? Dans tous les cas, c'est un bien. Dans tous les cas. Conséquences. La tristesse est un bienfait fait de Dieu. La joie, c'est un bienfait de Dieu. L'idée angélique, bien sûr, la source, c'est l'ange pour l'idée positive. Et la source des idées négatives, c'est les démons. On est d'accord ici. L'idée démoniaque t'empêche de faire le bien. Suscite la révolte en toi, l'ingratitude. Tout ce qui est négatif vient de Dieu. Donc c'est clair. Mais à la fin, c'est le destin et un bien derrière. D'accord? Mais pour faire la différence... Nous allons refuser les idées. Bien sûr, tu dois dire « Aoudoublaj Taraji ». On doit les repousser. Les repousser. On ne laisse pas s'installer dans notre... Mais il faut en même temps accepter notre faiblesse. Oui, bien sûr. Accepter que voilà, mon cœur c'est un terrain où toutes les idées peuvent se promener. Il y a des gens qui disent « Comment moi je refuse ça ?» Pourquoi? Non, tu es contraint d'accepter. Allah Azzajal le contraint au Qahar. Moi, j'aime pas. J'ai pas à réfléchir de cette manière. Mais c'est plus fort que moi. C'est comme quelqu'un qui. Le microbe existe, mais, non, mais il faut laver les mains. Mais il faut les laver. Le recherche chétanien existe, mais il faut. Il faut les repousser. Et les accepter. Les accepter, bien sûr. Mais il faut les repousser. Il faut les accepter et les repousser. Si tu veux pas faciliter la vie, si tu veux pas avoir une vie facile, pas de problème. Il faut accepter. J'ai dit le premier pas dans la gratitude, accepter ses limites. On est limité. Comme le corps, comme tu as dit, donner l'exemple. Le corps peut recevoir des bactéries, des microbes. Voilà. Il peut tomber malade. Ça, c'est une réalité. On est faible. Hein? Et des fois, Allah nous met sous épreuve pour réaliser qu'on est impuissant, faible, limité. Ça, c'est parmi les sagesses. Un parmi les milliards. C'est la sagesse des vieux. Hein. Je ne sais pas. Ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Des fois, pour nous élever. Allah, de toute façon, ça nous dépasse, la sagesse d'Allah. Demandez toujours, mais acceptez aussi le mal. Il faut accepter le mal et le repousser. Accepter pour le changer. Accepter pour changer. Ouais. L'acceptation, c'est une force. Lorsque tu acceptes le mal, facilement tu peux le changer. Lorsque tu acceptes, tu dis Alhamdulillah, tu deviens très fort. Il y a des gens qui disent Alhamdulillah pour le mal. Donc, c'est fini. Je serai écrasé. Non, tu seras très fort. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu laisses Allah gérer ce mal. Si tu ne l'acceptes pas, d'accord, alors gère toi-même cette affaire. Vas-y. Alhamdulillah, dans toutes circonstances. Passer largement le temps. 40. Je vais juste mettre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, une remarque, quelque chose vous êtes pas d'accord? Ah, c'est des idées, mais c'est pas la. J'essaie de juste de comprendre parce que. Il y a l'autre livre qui s'appelle La remise confiante en Dieu, qui est très compliqué. L'unicité de Dieu et la remise confiante en Dieu, qui explique aussi la gratitude est liée à la question de l'unicité et la remise confiante. Et surtout le destin. Le Razel n'a pas écrit un livre sur le destin, mais le livre de Tawhid wa Tawakkul parle de destin. Donc ça, là, tu peux comprendre mieux la question du destin. Et ce livre, c'est une source de bonheur, vraiment. Est-ce qu'il y a une convergence entre Sahaba sur ce problème-là, entre Omar ibn Khattab et les autres Sahaba, lorsqu'ils ont dit on accepte le ta'oul, on accepte la maladie, et Omar l'a dit non, on doit repousser la maladie par une autre qadar. Ah,
Oui, mais il a dit c'est un cas. Il y a une divergence entre les Sahaba sur ça. Sur cette question de destin, comment on traite? Oui, c'est une question très très délicate. Comment on le traite? Oui, bien sûr. Comment on accepte? Comment on traite le destin? C'est-à-dire les Sahaba qui ont dit non, on ne va pas fuir le Ta'oun, on va aller, c'est notre destin. Et Omar l'a dit non, il faut fuir le Ta'oun, il faut fuir la maladie contagieuse, et par notre destin, combattre le destin par notre destin. Ouais. Ça, c'est le raï de Sayyidina Omar ibn Khattab. Et les Sahaba, ils ont d'accord avec lui. Ouais. De ne pas se laisser, lorsqu'il y a un destin qui vient, tu peux le combattre par notre destin. Tu le combats par le destin. Par le destin, voilà. Le destin, c'est quoi? Mais si tu acceptes le premier destin, ta main devient le destin qui changera ce premier destin. Un deuxième destin qui change le premier. L'idée, c'est d'utiliser les outils que Dieu nous a offerts, ce qui est en notre contrôle. Oui. Ne pas être passif, dire destin, voilà, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Utiliser tout ce que nous pouvons d'abord et Dieu complète parce que nous contrôlons pas. Oui. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Et en ce qui concerne les idées, vous savez, c'est Shaitan et ce qui vient de l'inspiration à travers le zikr et tout, c'est que Dieu, plus on fait le zikr, plus on est prêt, on est à sa proximité. Donc, on a la clairvoyance de faire la différence de ce qui est Wassaf Sushaitan et on a le temps de décider. On n'est pas patient, on devient plus patient et on n'est pas impulsif. Parce que être impulsif, c'est un des attributs sataniques. Donc, plus on fait le zikr, plus on a cette patience et la clairvoyance. Et les deux s'accordent avec une symbiose et qu'on peut décider avec Tumanien. Et l'idée positive incite à faire le bien, pour faire la différence. Et la suggestion maligne incite à faire le bien ou t'incite à ne pas faire le bien. Ça, c'est facile aussi pour distinguer. Mais si Mohamed il l'a dit, grâce au dhikr que tu arrives à avoir ce recul et être vigilant, muraqaba al muhasaba, pour contrôler tes pensées, parce que c'est pas facile aussi. On est dans la réaction souvent. Hein? 95% de nos actions sont des réactions. 95% donc le dhikr c'est quoi? Rester avec moi-même en train de faire Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, je deviens patient forcément. Je suis habitué à réfléchir. Les gens n'ont pas le temps pour réfléchir aujourd'hui. Réfléchir. Et au subhanallah, il y a des gens, il y a des projets sur cette terre, chacun son projet sur cette terre, qui essayent d'occuper ton cerveau, de le garder toujours occupé. Donc de ne pas te donner la possibilité pour réfléchir. Musique, panneaux publicitaires, réseaux sociaux. Subhanallah. Comme ça, pourquoi? Pour oublier pourquoi tu es sur cette terre. Pour ne pas réfléchir sur la question de la mort. Et surtout, pour ne pas poser la question, et après? J'ai des enfants, et après? J'ai une femme, et après? Là, c'est pas bien. Ça, c'est dangereux, le mot après. Ça, c'est la pire question. Ils ont peur de poser cette question. Non, occupe-toi, mange, regarde un match de foot. Après, vas-y, fais des grillades. Toujours l'ivresse, le soukoum. Aqtarab al-nasi, et c'est bon, on vit raflatin, ma'aridouin. Lehiyatan kouloubou, c'est ça. La distraction, pour oublier. Mais jusqu'à quand? Hein? D'accord, ils ont leur projet et Dieu, pour Allah est son projet. Une épreuve. Arrête et pose la question. Là, tu es obligé d'arrêter la machine.
Alors, tu vas oh, t'es forcé à réfléchir et poser les questions quand primordiales. Quand il y a un accident ou une maladie. Hein? Quand il y a un accident ou une maladie. Maladie. Oui. En prison, il y a beaucoup de détenus qui réfléchissent, qui changent leur vie en prison. Dans la prison. Dans la prison, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Oui. C'est une grâce de Dieu. Et le Hajj, il connaît très bien. Là-bas, tu ressens comme une purification. Beaucoup de sérénité, les gens sont calmes parce qu'ils réfléchissent, ils ont le temps pour réfléchir. Pourquoi cette agitation? Pourquoi nos enfants sont agités? Parce que nous sommes agités nous-mêmes. Ouais. Hein? On n'a pas le temps pour réfléchir. Donc, le zikr, la prière, prenez un peu du temps, essayez de les faire comme il faut. De toute façon, on va faire la prière, on va consacrer du temps. Alors, faisons la prière comme il faut, Inch'Allah. Pour trouver ces sources d'apaisement, hein, pour arrêter un peu la machine. Hein, c'est trop. Hein, c'est trop. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Je rappelle toujours pour arriver à réaliser tout ce qu'on a dit parce qu'on a parlé beaucoup de choses, prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier pas, c'est la solution pour cheminer vers le premier pas dans le cheminement vers Allah. C'est simple comme solution, mais elle facilite beaucoup de choses.